Coucou! Bonjour ici! Coucou, coucou! Comment ça va? Alors, petit message pour dire qu'on est en ligne. Pas très habituel de se retrouver le dimanche à 16h, ça rappelle des souvenirs, mais demain je ne suis pas là. Donc je voulais quand même faire mon petit bilan de novembre avant mi-décembre, quoi. C'est possible. Alors, il y a un petit message sur Instagram. Donc, je suis. Un petit lien. Et voilà. Il y a une surexposition, il y a le soleil qui se couche là. Je me suis fait un petit thé, le petit thé de ce matin, le thé blanc aux fruits des bois de Kusmiti, qui sont tellement bons. J'aime beaucoup le thé blanc. J'en bois pas assez à mon goût. On va laisser infuser un petit peu encore. Donc, mon petit carnet de lecture. Le mois de novembre a été prolifique au niveau lecture, je suis contente. Et vraiment limité en nombre d'achats, parce qu'en fait, c'est même pas des achats, c'est des précommandes qui avaient déjà été faites, mais que je note en fait que quand je les reçois. Mais il n'y en a que deux. Donc, je suis vraiment très fière de moi parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai tendance à me ruer sur les livres comme quelqu'un se ruerait sur les petits chocolats. Voilà. Je voulais mettre comme pour l'annonce sur mon petit Discord. Et, alors, on va mettre la petite adresse. Il faudra que je regarde comment faire les annonces.
On va faire les tests. Voilà. Ça s'est annoncé là aussi. Je sais pas, j'ai mis de la musique, mais on dirait pas que vous l'entendiez. Bon, c'est pas grave. Attends encore un petit moment. Je savais que en étant là à 16h, ça allait pas être pas habituel. Je pas allé avoir. Il n'y allait pas avoir full. Mais en fait, je vais commencer. Ma liseuse a lâché. Et j'ai craqué enfin. J'ai décidé d'arrêter avec les pocketbooks parce que franchement, elles tiennent pas dans la durée. Et c'est des problèmes mécaniques, hein, c'est pas des problèmes de moi. Franchement, si c'est pas possible, je fais quoi avec mes liseuses? Donc j'ai enfin décidé de prendre une Kobo. J'ai pris une Kobo Libre à deux. Et j'aime beaucoup. Sauf que ben j'ai l'habitude d'avoir les touches en bas et donc ça fait moins large. Et là, ben, par exemple, je ne peux plus la mettre dans ma poche de ma veste ou ce genre de truc. Donc juste ça, c'est le truc qui m'embête un peu. Mais le reste est vraiment bien. Je suis contente. Je la prenne encore un peu en main, mais c'est cool. Voilà, petite aparté liseuse. Donc, on va commencer le bilan. Mon bilan, c'est 3642 pages dans ce mois de novembre. Donc, franchement, c'est cool. Le mois d'octobre, c'était 2780. Donc, c'est presque plus de 1000 pages. Oui, je suis contente. Alors, c'est pas le concours du nombre de pages, mais c'est vraiment cool. Ah, vous avez la musique trop fort? Désolée. Je pensais pas que la musique était autant forte. Elle apparaît très 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 faible chez moi. Tu m'entends là? Coulora, comment tu vas? Désolée. Que moi, en fait, elle apparaît pas. Je pensais qu'il y avait pas de musique, en fait. Je t'entends. Ok, ça va. Merci. Comment que tu vas? Ça va. C'est pas la grande forme, mais je suis contente d'être là et de partager. J'ai envie de papoter, de vivre et tout ça. On dirait qu'on est content que la semaine se termine. Jamais autant attendu un lundi, je pense. Mais non, mais ça va. Je suis contente d'être là et de papoter lecture.
J'ai l'impression que on dirait qu'il y a du brouillard chez moi à cause qu'il y a le contre-jour du baissage du coucher du soleil. Donc là, on va faire le petit bilan de novembre. En tout cas, n'hésite pas à me dire combien tu as lu de livres en novembre, si tu en as lu, si bien. N'hésite pas à partager et me dire qu'est-ce que tu as lu, quelle était ta meilleure lecture du mois. Comme je disais, j'avais lu 3642 pages, donc je suis assez contente. J'ai bien lu et j'ai lu 11 livres en novembre. Donc, bon, 11 livres et quelques graphic novels ou mangas. Un petit peu triché. On peut dire ça triché. Et j'ai acheté que 2 livres. Et encore, c'était des précommandes, donc c'était pas vraiment des achats. C'est plutôt cool. Bon petit mois de novembre. Carnet. Donc, bah, je vais montrer un peu ce que j'ai lu. Il faut juste que je fasse des. J'ai fait des tas. Il faut juste que je m'en sorte dans mes tas. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Donnchad, qui en français s'appelle L'éclat de l'aube, qui est une nouvelle qui est entre le tome 3 et 4 des archives de recherche de Brandon Sanderson. Donc, c'est une nouvelle que j'ai lue, que j'ai bien aimée. Je me réjouis de lire la suite. Ça faisait un moment que je devais la lire, donc je suis contente. Ma meilleure lecture novembre, Laura S. Bodyguards, tome 2, Cruise. Ok, je connais pas du tout. C'est de la romance? Ou pas Dis-moi de quoi ça parle. Oui, romance, ok, ouais. Le titre faisait un peu romance, ouais. J'avoue que je lis pas beaucoup de romances. J'en ai quelques-unes et des fois j'aime bien. Un peu comme les thrillers, c'est de temps en temps. J'avais jamais entendu parler de celui-là. Donc ouais. Moi, j'ai lu L'éclat de l'aube. J'ai aussi fini le tome 13 de Towers of de La Roue du Temps, Wheel of Time, Towers of Midnight, je sais pas comment il s'appelle en français, de Robert Jordan. Donc, gros, gros, gros pavé. Et je suis en train de lire à présent, justement, le 14e et dernier tome de la saga. Donc, je vois le bout, je suis assez contente. Et dans la même. En fait, il y a un préquel que j'ai en roman, mais que j'ai aussi en graphic novel, en roman graphique. Et j'ai lu le roman graphique ce mois-ci. Je pense que je lirai plus tard le roman. Donc c'est sorti le 1er octobre de 30. Ok. Ok. Ah oui, c'est prolifique, comme on dit. C'est cool, au moins t'as pas besoin de trop attendre. Je pense que ça a été traduit. C'est bien, au moins ils vous font pas attendre 1 an en chaque tome. Voilà, là c'est donc bon, moi j'ai pas mal de fantasy. Et là il n'y a pas que de la fantasy, donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Eh oui, ben, dans les petits livres, j'ai lu en manga le 5e tome de Nana. Autrice est française. Ok. Les tomes sortent là comme ça, rapprochés. Ok. Ouais, quand même, c'est cool. Mais
Ouais, j'ai lu Sacaptan de Nana. Je lis pas beaucoup de mangas, mais ça, c'est vraiment le seul manga que j'ai en papier et que j'aime beaucoup relire de temps en temps. Et voilà, un petit challenge, il fallait lire des choses un peu rapides. Donc, j'ai lu celui-là. Et j'ai aussi relu le premier tome de Fairy Tail, que j'ai pas là en papier, mais que j'ai relu dernièrement. J'ai aussi lu L'école du bien et des mal, que j'ai pas en papier. Mais que j'ai lu sur ma liseuse, que j'ai adoré. Ils ont fait une adaptation sur Netflix que j'avais vue et que j'avais beaucoup aimé. Tiens, est-ce qu'on lirait pas le livre? Et j'ai adoré le livre. Je pense que je vais pas trop tarder à lire la suite parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le premier tome. J'avais mis 4 et demi d'ailleurs, ouais. J'avais lu en une semaine. Ensuite, j'ai aussi lu Once Upon a Broken Heart, qui est la suite, en fait, le spin-off de Caraval de Stéphanie Gerber. Caraval qui a été traduit en français. Celui-là ne sont pas encore traduits. J'espère que ça arrivera bientôt parce qu'ils sont vraiment sympas. J'ai lu le 1 et le 2. J'ai pas le deuxième en papier, mais vraiment, j'ai beaucoup lu celui-là. Je sais pas si vous avez des questions comme ça sur de quoi ça parle, je réponds volontiers. Ensuite, j'ai lu un peu des livres qui font réfléchir. J'ai lu Flowers for Algernon, qui s'appelle Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, et qui amène vraiment à réfléchir sur la perception des choses suivant l'intelligence de la personne, puisque c'est vraiment, on va suivre Charlie qui n'est pas du tout intelligent et à qui on va proposer une opération pour qu'il devienne intelligent. Et en fait, on va voir à travers ses yeux sa vision du monde qui change. C'est vraiment ultra intéressant et ça amène beaucoup de questionnements et de réflexions intéressantes. J'ai bien aimé. Je m'attendais pas à que ça aille autant loin, j'avoue. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais j'étais assez surprise par ce livre. Et je pense qu'avec le recul, je l'aime de plus en plus. Mais sur le moment, j'étais un peu perdue. Mais apparemment, on m'a dit que certains l'avaient que c'était un classique et que certains l'avaient étudié à l'école. Moi, c'est vraiment super intéressant. J'ai aussi lu deux livres sur la Shoah. Donc, Question d'enfant sur la Shoah de Edie Fried, qui est une survivante qui donne beaucoup de cours aux jeunes, aux enfants, pour faire perdurer la mémoire de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale aux Juifs, les camps de concentration et tout. C'est une survivante. Et on a aussi Elie Buzyn, qui lui aussi a survécu à Auschwitz. Et il a plusieurs livres où il témoigne de ça. Et il va aussi sur place avec des groupes d'élèves pour faire des visites guidées, en fait, de Auschwitz. Il y a beaucoup de survivants qui font ça pour faire perdurer cette mémoire et vraiment témoigner de ce qui a été vécu sur place. Donc voilà, je me suis remis à lire un peu des livres sur ce sujet, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comme. En général, ici, on le sait. Donc voilà, j'ai lu ces deux petits livres sur ce sujet. Donc, donc voilà pour mes lectures, hein, 11 lectures. Vraiment très contente. Donc voilà. Et ensuite, dans les livres que j'ai achetés, ou plutôt que les précommandes que j'avais faites, on avait. Babel de R.F. Kuang, qui est celle qui a écrit La guerre du pavot. En français, ça s'appelle La guerre du pavot. Qui a l'air vraiment très très intéressant. Qui amène aussi beaucoup de réflexions, si je ne me trompe pas. Et qui est pas basée sur le langage, sur la traduction de. En fait, une école de traduction. C'est ouais, je sais pas, j'ai pas envie de trop lire et tout ça. Je vous invite à aller voir si ça m'intéresse. Il n'est pas sorti en français malheureusement, mais je pense qu'il va pas trop tarder vu
comment il a tellement fait parler de lui en anglais. Et sinon, j'avais commenté il y a longtemps, mais c'est auto-édité, donc ça a pris vraiment du temps à être imprimé et à envoyer. C'est Loving Reaper de Jenny Ginia, qui est une dessinatrice que j'ai découverte sur Facebook, et qui en fait qui met en scène dans ses BD des animaux qui décèdent, qui se sentent aussi coupables de laisser leur humain, qui se sont très bien occupés de lui tout seul, et il y a toute une relation entre les animaux qui décèdent et la mort. C'est vraiment tout petit, comme avec des petites BD, mais c'est ultra touchant. À chaque fois, je verse ma petite larme et j'avais envie de soutenir l'auteur et d'avoir en papier ce petit livre. C'est vraiment tout petit, il y a deux petites histoires minuscules, même pas 20 pages, je pense. Et vraiment très intéressant. Donc, Jenny Ginia, ça vous intéresse aussi d'aller voir peut-être sur. Je crois qu'elle a un Instagram, mais je sais qu'elle a un Facebook. Et pouvoir ses petites planches nous fait. C'était vraiment très intéressant. Donc, ça faisait un moment que je l'avais. Ça fait 2-3 mois que je l'attendais, celui-là. Donc, je suis trop contente de l'avoir enfin reçu. Et sinon, j'ai en boîte à livres, j'ai trouvé des livres. J'ai trouvé « Entre mes doigts coule le sable » de Sophie Talman, qui est un deuxième tome, comme on va faire remarquer, mais que l'histoire a l'air vraiment intéressante. Ça me fait du bien d'avoir un peu de contemporain aussi dans ma bibliothèque. C'est des petits livres en plus. Souvent, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de lire un genre et qu'on n'a que des grosses pavasses, c'est compliqué. Boîte à livres, je trouve rien vers chez moi. Ah oui ? Alors moi, j'ai de la chance, je ne vais pas me plaindre, j'ai vraiment de la chance. J'ai pas mal de boîtes à livres dans ma ville. Et en plus, alors il y a des stock-up pendant 3 semaines, je ne vais rien trouver. Et une semaine, il va y avoir des grosses pépites. Donc celui-là, par exemple, il est neuf. Je ne suis même pas sûre qu'il a été lu une fois. Moi, j'ai lu. Rien à voir. J'ai trouvé Seven de Anthony Bruno, qui est un thriller, avec le film qu'il y a eu avec Brad Pitt, que j'aime beaucoup. Alors, c'est très fort et pas facile à voir, mais je ne savais même pas qu'il y avait un livre, en fait. Donc, j'ai bien envie de voir ce que ça donne en livre. Il n'y a vraiment que des très très vieux livres. Ok. En fait, les gens se débarrassent du livre, quoi. Bon, c'est un peu le but aussi, mais c'est dommage. Ça va vraiment. Alors des fois, il y a aussi, ça dépend. Genre, des fois, il y a des vieilles encyclopédies qui datent des années 90, que franchement, je vois pas, à part un collectionneur, personne ne va lire, va prendre ça. Mais moi, il y a vraiment des trucs très nouveaux, en fait, que les livres n'ont pas été lus. Bon, en Suisse, nous, on a pas mal de livres aussi en allemand, des fois, même en anglais. Alors ça m'intéresse bien. Ces temps, il y a pas mal de russes aussi. Je pense que aussi, on a pas mal de réfugiés de l'Ukraine et tout ça. Donc, il y a des livres aussi de langue qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Mais il y a du religieux, il y a aussi des romans, des jeunesses, des livres pour enfants, même des dictionnaires. Je suis dans la région Hauts-de-France, pas beaucoup de gens lisent. Après, ouais, c'est peut-être pas la même culture de dire « vas-y, on mettra en boîte à livres », je sais pas. Après, ça dépend aussi de la promotion qu'on fait autour de ça. Je vois que dans ma ville, vraiment, ils en parlent du fait qu'il y a des boîtes à livres, ils mettent en place. Elles sont arrangées, elles sont surveillées. Être sûr qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui vienne dedans. Je sais pas. Après, vu que c'est aussi un peu touristique, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui viennent, qui achètent un livre et puis qui n'ont pas envie de repartir avec leur livre, donc ils les remettent. Vraiment, des fois, j'ai trouvé des pépites. Je fais la collection un peu des Harry Potter, j'en ai trouvé des hardbacks dans la première édition en anglais. Voilà. Et vraiment, j'ai trouvé des très belles pépites. Je vais pas me plaindre. J'espère que ça va se mettre un peu en place, que ça va être un peu plus connu et que tu pourras trouver un peu des choses qui te plaisent.
Je pense aussi que ça aide, ouais, je pense. Alors, je suis pas non plus dans le truc ultra altruistique, mais je pense qu'il y a un côté comme ça. Il y en a une, par exemple, où là, il y a des librairies pas très loin, donc je me demande si aussi, des fois, il n'y avait pas des librairies qui viennent quand ils ont trop de livres, parce que je sais qu'ils ont, ils vendent des livres d'occasion, mais quand ça se vend pas et tout, peut-être qu'ils vont mettre et au final, ça intéresse les gens. Après, j'achète beaucoup. Alors, moi, j'essaye de pas trop acheter. C'est pas facile, c'est. C'est ouais. Pas facile parce que j'ai envie d'un peu tout acheter, mais j'ai pris l'habitude de mettre un peu dans ma liste de souhaits. Et voilà, je me dis que je vais recevoir un peu d'argent à Noël, à mon anniversaire qui arrive bientôt, et que je me ferai plaisir avec cet argent-là, mais que faut que je garde mes sous pour autre chose, pour mettre un peu de côté, pour partir en vacances, comme ça. J'essaie, en fait, c'est pas facile. J'essaye de relativiser. Et puis surtout, bah, j'ai plus beaucoup de place et que j'ai 400 livres dans ma pile à lire et que. Voilà. Je sais pas combien de tas de livres dans ta pile à lire, mais c'est vrai que d'un moment, ça fait peur quand même. Donc voilà. J'ai encore deux livres que j'ai trouvés en mon boîte à livres. C'est La Promesse des ténèbres de Maxime Chattam, qui est le préquel de la trilogie du mal. J'ai jamais lu Chattam, mais j'ai L'âme du mal. Donc c'est L'âme du mal, ouais, le premier tome de la trilogie du mal. Quand j'ai vu celui-là, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein. Et si je les aime pas, j'irai les amener parce que les deux, je les ai trouvés d'une boîte à livres. Donc, j'irai les ramener, ça fera un heureux. Et le dernier que je suis tellement contente d'avoir trouvé, vraiment, c'est La Maison allemande de Annette S, qui est en fait un livre sur une jeune fille de bonne famille qui va apparemment se fiancer à un jeune héritier. Dans la ville où débute le second procès d'Auschwitz en 1963, donc en Allemagne. Et en fait, c'est là où ils doivent être jugés les crimes des dignitaires nazis. Et Eva, l'héroïne, a suivi des études d'interprète et on va lui demander de venir interpréter, donc traduire comment dire, les témoignages des victimes. Donc, et il faut savoir que, c'est tout ça le plus important, c'est que dans les années 60, les Allemands ne savaient plus du tout ce qui s'était passé. C'est devenu tellement tabou ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale que personne ne savait. Et en fait, cette jeune fille et toute sa famille autour d'elle, en fait, à travers ce procès, vont découvrir les atrocités qui se sont passées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une prise de conscience de la société et en fait ça a l'air vraiment super bien et c'est cool de ouais, c'est cool c'est un point de vue en fait que j'ai pas beaucoup vu et que je suis intéressée de découvrir le point de vue de personnes qui comme on n'en parle peut-être pas assez mais en Espagne la même chose avec tout ce qui s'est passé avec Franco encore maintenant les gens n'en parlent pas c'est tabou et là c'était un peu la même chose et ça l'est encore je pense. Personne n'en parlait, personne n'était au courant. Bon, c'était, bah, il y avait une guerre, il s'était passé des choses, c'était une guerre. Voilà. Et donc, je sais pas, il m'intrigue vraiment et je suis pas sûre d'être prête à le lire, mais peut-être pas pour tout de suite, mais il m'intrigue beaucoup, beaucoup. T'as acheté quoi comme livre, Laura? Ou bien, en fait, s'il y a des gens qui sont arrivés, bonjour, je faisais un peu mon bilan du mois, n'hésitez pas à me redemander, à participer, à dire quelle était votre meilleure lecture du mois, combien de livres vous avez lus. Et sinon, actuellement, je lis le 14e tome de La Roue du Temps, le dernier, l'ultime, le tome 3 de Laura Aswell. Ah bah le tome 3 de celui que tu as préféré là. Et du coup, tu vas enchaîner, tu vas le lire tout de suite, t'es déjà en train de le lire ou? Donc voilà,
Ouais, le 14e tome de La Roue du Temps, dernier que je lis avec des copains avec qui on a lu certains livres. Après, on a lu un peu chacun de notre côté. On s'est attendu pour ce dernier tome et j'ai trop hâte de voir que ça commence bien. Franchement, là, bon, là, j'ai pas bougé mon marque-page. On est au chapitre. J'ai fini le 7, donc on va bouger le marque-page. J'ai lu 200 pages là. J'ai lu ce matin. Ouais, 200 pages sur 1000 pages. Donc, on arrive bientôt au quart, c'est cool. Ouais. Il est vraiment bien, j'aime beaucoup ce début de tome et je retrouve ce que j'avais adoré dans le 2 et 3. Je vais le lire après ma lecture commencée. C'est quoi déjà que tu as dit que tu lisais maintenant? Je suis désolée, je sais plus si tu l'avais dit ou pas. Et sinon, j'ai fait une relecture de À Cotard, donc Un épalais d'épines et de roses. Et j'ai beaucoup aimé ma relecture et j'ai vraiment beaucoup plus profité et apprécié le début. Le pavé, je dois te laisser. Ok, t'es chou. Merci d'être passé et d'avoir papoté avec moi. Merci beaucoup, Laura. Bisous, une bonne soirée. Donc voilà. Je suis en train de relire et j'apprécie vraiment ma relecture. J'arrive au bout, hein, je suis aux 2/3. Donc ouais, c'était cool, merci. Donc voilà pour mes lectures en cours. Et je ne sais pas. Je vais vraiment me laisser porter et pas me prendre la tête. J'avais deux autres lectures que je voulais dire en cours et tout, mais au final, je vais les laisser de côté. Si y en a une, c'est pas le moment. Et l'autre, je pense que c'est pas le moment. En fait, c'est pas ce que j'ai le plus envie de lire. J'ai envie de me poser et lire quelque chose de qui je me sens submergée par la lecture et je pense pas que c'est ces livres-là. Donc, on va se laisser voir. Je vais déjà finir à Cotard et voir ce que je lirai à côté. Donc, à côté, bref. Mais voilà. C'était un petit live. Je voulais juste faire le bilan. J'ai bien pensé qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. C'est pas du tout au moment de prévu. Et malheureusement, demain, je ne peux pas être là. Je suis chez une amie. Je vais chez ma meilleure amie qui a accouché il y a un mois. Je vais enfin rencontrer son petit bébé. Je suis trop contente. Donc, mon petit neveu de cœur. Et j'ai trop hâte. Mais du coup, je voulais quand même faire mon petit bilan. Parce qu'après, ça traîne. Et puis, j'allais pas le faire la semaine prochaine, quoi. Ça aurait été un peu bête. Mais voilà. Mais vraiment des bonnes lectures. Assez variées au final. Il y a de la fantasy, il y a du témoignage historique. Il y a de la science-fiction, il y a du manga. Ouais, c'est. Je suis assez content. Il y a des pavés, du graphic novel. Pour le coup, c'était assez varié. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Merci Laura. Si tu regardes le replay, de toute façon, tu verras que ça a été très court après que tu sois partie. Mais je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'essaie de vous retrouver, je pense, en fin de semaine prochaine pour peut-être un live puzzle ou un peu de craft. Voilà. N'hésitez pas à venir sur le Discord si jamais vous voulez qu'on papote durant ce temps. Bon, je ne suis pas en live, en tout cas sur Instagram. Il y a déjà quelques personnes qui sont là. Le but, c'est de partager nos créations, parler de nos lectures. Voilà. Le but d'un Discord, de papoter, quoi. Là, je vous souhaite un très bon fin de dimanche. Une très bonne fin de dimanche plutôt. Je vais y arriver. Et un bon début de semaine. Des gros bisous.